Hey, bonjour à tous, écoute, bienvenue sur Bumpy and Out. Donc là, la vidéo, c'est ma première vidéo. 4 jours de pêche, 4 jours de bredouille, j'ai rien fait, je suis dégoûté. En hiver, c'est pas toujours simple de pêcher en iso parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur, machin et compagnie. Et bien, je me suis topé la canne de chez Decathlon, Kitten 6 500 en 5 mètres là, la dernière qui est sortie sur la pêche au bouchon. Donc, je l'ai équipé avec tout le matos de chez Decathlon, machin. J'ai essayé de faire simple, j'ai hésité avec une Yokozuna. Si ma mémoire est bonne, ISO, je sais plus trop quoi. Et je suis parti là-dessus parce que, en fait, commander sur internet, c'est cool, mais quand on a des retours ou des choses à faire, le plus simple c'était de passer par là. Et c'était les deux cannes qui étaient à peu près sur un prix similaire. Je prends une mètre plus que ce prix-là. Elle est montée avec un Daiwa Emblem X5000 T, qui est mon moulinet que j'utilise d'habitude en surcasting. Je trouve que c'est un moulinet qui est très utilisé. Les carpistes, en tout cas moi à l'époque quand je m'étais lancé là-dedans dans le surfcasting, c'était un moulinet qui était recommandé. Il n'était pas très très cher, il a 10 kg de fin dessus, il s'allonge bien, il a plus de 10 ans, hein. Enfin, il doit bien avoir 10 ans et il fonctionne toujours, et il fonctionne très bien. Je l'ai monté avec un nylon fluo aussi parce que je voulais pouvoir suivre en fait le truc. Moi j'ai une petite anomalie de la vision des couleurs, ce qui fait que le orange là, bon bah là je le vois bien, mais quand il est en mer je le vois plus si bien que ça. Allez, bonne vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous, un petit pouce et compagnie, ça sera très chouette. Allez, ciao. Hop là, la nouvelle canne de chez Decathlon, et 36, on va la tester aujourd'hui. Ma putain de salabre, même si j'aime pas ça. Les épuisettes, non, c'est vraiment la merde, trop télescopique. Et puis le petit sac, et c'est parti. Vraiment la merde en fait, cherche un coin pour aller au bord là. En fait, comme vous pouvez le voir, les cailloux sont recouverts de cette algue à la con. Voilà, et du coup, c'est juste impraticable quoi. Ça, je vais aller me foutre au bouchon un peu plus haut là. Je vais... Bon voilà, je suis arrivé, donc le montage je l'ai fait ce matin. Donc un bouchon, 30 grammes. L'olive, 30 grammes. Le petit perle à moi. Hop là, je vais monter une crevette aussi. Hop, je passe là, regarde. Tac, petite crevette, t'es montée. Pas dit mon dernier mot. C'est spectacle. Spectacle, comme dirait l'autre. Voilà. Ça se trouve pas mal là-bas. Bon, moi je fais pas trop mal sur mon petit éperon là, mais c'est dangereux quand même. Bon, et bah changement de spot là. Parce que ça prend pas. Et donc bah faut bouger. Ça prend pas. On va faire une petite pointe, là, une petite crique. C'est là que j'ai pêché du poisson la dernière fois. Voilà un peu le genre de crique là. Et donc la dernière fois que je suis venu pêcher ici, j'ai fait une grosse vieille. J'ai pas réussi à la sortir de l'eau. J'étais avec ma canne ISO. Il y avait vachement de houle, un peu plus que ce qu'il y a aujourd'hui. C'était le 1er janvier. Tempête d'hiver un peu tout ça quoi. Bon allez go. Allez. Là j'ai du...
Bon, ben voilà. Ici s'achève cette session de pêche. Je suis un peu dégoûté, j'ai rien fait. Pas une touche, pas un truc. Bon. C'est la vie, hein. C'est elle qui décide, là. C'est pas moi. Ah, bah, ça sera pour la prochaine fois. 4 jours de pêche, 4 jours où tu fais rien. Que de la bredouille, de la bredouille. La bredouille. Capot!